Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment démonter un Acer ZC602. Donc nous allons retirer les vis, trois vis qui sont présentes ici. On va retirer donc le cache arrière ici. Donc à l'aide d'un outil en plastique comme ceci. On va retirer ensuite le pied. On dégage le pied vers le haut afin de pouvoir complètement le retirer. Ensuite, à droite ici, nous avons la vis qui maintient le lecteur CD. Une fois qu'on a donc retiré la vis du lecteur, on introduit un tournevis plat. Afin de pousser la languette. De pousser ici avec le tournevis plat, ce qui permet de dégager le lecteur. Le panneau arrière, on va donc écarter ici. On a un espace entre l'écran et la plasturgie. Donc on va faire un mouvement. Comme ceci pour écarter donc la plasturgie. On va placer des coins pour éviter pour permettre pas que ça se remette en place. Et donc on va faire la même . On va commencer côté lecteur. On peut déclipser. Ceci. En faisant une pression donc avec l'outil, on va écarter cette partie. En fait, on va soulever en quelque sorte la partie arrière, comme ceci. Ensuite, on va passer donc dans la partie. Comme ceci. Donc là, il reste la dernière partie. Voilà.
on arrive donc sur le système. Donc ici en bas, retirer les vis qui protègent la carte mère. Ici nous avons le disque dur, ici le ventilateur qui va refroidir le processeur, la barrette mémoire. Ici ça doit être la nappe de l'écran. Ici la carte Wi-Fi, la pile du BIOS. Pour le remontage, il faudra procéder en sens inverse. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivi. À bientôt.